Bonjour. Bienvenue. Voilà, nous allons commencer cette rencontre ce soir. Bienvenue à toutes et tous. Merci pour votre présence, votre fidélité à ce moment. C'est donc un mardi sur deux à 18h que nous nous retrouvons pour en gros une heure sur une thématique. Alors, n'hésitez pas à nous écrire vos souhaits, vos remarques, critiques et idées, pas seulement dans la discussion ou le chat, mais aussi à propos des webinaires sur notre adresse contact@appea.org. On prendra bien entendu en compte vos souhaits. Alors, ce soir, public spécifique de psychologues, nous le supposons, avec un thème pointu. Les épreuves projectives et en particulier le TAT, thématique à perception test, épreuve thématique verbale de clinique adulte au départ, puis proposée aux enfants et aux adolescents, notamment par l'équipe du laboratoire de psychologie projective de Paris-Descartes, et notamment Rosine Debray, professeure de psychologie clinique infantile, psychanalyste, qui nous conseillait dans son cours à l'Institut de psychologie au Centre Henri Pierron, à Paris, qui rappellera quelques souvenirs à certaines et certains d'entre nous, n'est-ce pas, qui donc nous conseillait son utilisation à partir de 6 ans. Pour nous présenter l'actualité du TAT, donc avec les enfants et les adolescents, le thème de ce soir, Sabine Malivoire et Caroline de Mascarel. Alors, nous sommes un peu en famille, puisque Sabine Malivoire, psychologue au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris, dans le service des pathologies chroniques, enseignante et directrice de mémoire à l'école de psychoprates à Paris, l'école de psychologues praticiens, coordinatrice de programmes d'éducation thérapeutique, et surtout pour nous, Sabine, responsable de plusieurs formations à la PPEA et membre très actif de notre groupe. Et donc, elle propose des formations, entre autres avec Caroline, sur le TAT, niveau 1, niveau 2, en 2 jours chacun. Et puis Caroline de Mascarel, psychologue clinicienne également, formatrice TAT donc à la PPEA, après l'avoir enseignée à Psychoprate, et directrice administrative à l'association. C'est Caroline qui suit vos inscriptions individuelles pour les formations, si vous nous rejoignez. Alors, vous le savez sans doute, ça me permet de faire cette remarque, tous les postes dans l'association, gestion, comptabilité, inscription, formation, communication, gouvernance, etc., sont tous assurés par des psychologues. C'est notre originalité, c'est notre identité. Alors, idem d'ailleurs ce soir avec Théodore, avec Vincent, avec Georges, qui seront en arrière-salle pour traiter vos questions dans le chat, dans l'onglet discussion, les synthétiser et les proposer dans un deuxième temps à nos deux intervenantes conférencières. Alors, je vais vous faire une confidence. Sabine et Caroline ont beaucoup travaillé leur intervention et sont ce soir, gentiment, je vais dire, un peu stressées, sans doute même beaucoup stressées. Mais Caroline et Sabine, tout va bien se passer, nous sommes entre nous. D'accord ? Voilà, donc le webinaire est enregistré. Vous aurez le PDF de ce support demain sur le site de la PPEA, et nous vous rappelons que nous ne pouvons pas, comme chaque fois, vous fournir de certificats. Nous en sommes désolés, mais ça n'est pas possible. Et puis, bien entendu, l'onglet discussion, comme je vous en parlais, qui va vous permettre de réagir, de nous suggérer des idées et surtout de poser des questions. N'oubliez pas de cocher « Envoie à tout le monde » si vous voulez que tout le monde vous lise. Écoutez, voilà, on est parti, Sabine et Caroline, et je laisse la main à Sabine pour la partie 1 de votre présentation. Alors, Sabine, très sérieuse, elle est en train de chercher. Voilà, ça y est, Sabine. Alors. Ça va pas. Alors, par contre, ça ne défile pas. Alors, donc, tu n'as pas ouvert la bonne fenêtre. Alors, je repars. Ça va être mieux, là.
Voilà, excusez-moi pour ce petit démarrage laborieux. Alors donc oui, nous allons avec Caroline vous présenter des points très particuliers du TAT avec quelques rappels de façon à ce que tout le monde puisse se replonger un petit peu dans cette méthode projective. Et puis l'actualisation de la feuille de dépouillement hein, qui date de 2020, qui a été élaborée par Catherine Chabert et son équipe. Et puis Caroline prendra la main pour la partie clinique, afin de vous proposer quelques exemples d'histoires de vie d'enfants qui ont passé ce TAT et de voir un petit peu ensemble quels sont les procédés et qu'est-ce qu'on est amené à voir de façon plus précise au TAT selon la symptomatologie des enfants. Voilà. Donc, je recontextualise ce test tout d'abord pour un petit exercice sémantique, c'est-à-dire qu'en effet, au départ, on parlait de tests projectifs, tant pour le TAT que le Rorschach, le CAT, etc. Puis ensuite, dans les années 90, on a préféré utiliser le terme épreuve projective pour être maintenant, actuellement, remplacé par méthode projective. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit en effet d'une méthode qui implique des conditions de passation encadrées, qui implique une analyse et une interprétation. C'est-à-dire qu'il a été longtemps reproché aux tests projectifs la subjectivité du clinicien dans cet abord psychanalytique. Eh bien, il est temps, en effet, de reconnaître le TAT comme une méthode projective qui implique donc une rigueur méthodologique, qui implique une analyse approfondie et une prise en compte de facteurs et de leur articulation. Cette rigueur méthodologique permettra, d'un matériel concret ambigu hein, du TAT, ce sont des planches en noir et blanc qui vont permettre aux patients, enfants, adolescents, des associations idéiques. Puis, il est également à préciser que c'est dans un contexte d'espace relationnel entre le sujet et le clinicien. Donc, quelques rappels mis en place par Murray, qui, à l'époque, développe la conception particulière de la personnalité centrée sur la notion de besoins, les besoins primaires, c'est-à-dire qui s'intègrent dans des processus physiques, et les besoins secondaires qui sont associés à des processus psychiques. Et il associe à ses besoins des éléments inconscients et conscients dans un environnement mental, dans un environnement social, dans un environnement familial, et on relie ses affects à ces éléments conscients et inconscients. Puis, Vika Gentoub va introduire le rôle du fantasme, c'est-à-dire que le fantasme va être à l'origine des mécanismes psychiques qui produisent le récit au TAT, permettant aux patients un compromis entre des impératifs conscients et inconscients et qui, en quelque sorte, modélise des mécanismes de défense. Enfin, dernièrement, Catherine Chabert et les collaborateurs ont actualisé la feuille de dépouillement des procédés. On le verra en détail tout à l'heure. La consigne, imagine une histoire à partir de chaque planche. L'analyse du discours, ensuite, de l'enfant et de l'adolescent, va mettre en évidence des procédés défensifs, leur articulation et les dégagements opérés par le sujet. C'est pourquoi une retranscription inverbatim du discours de l'enfant est absolument nécessaire. Ensuite, cette analyse et cette mise en évidence des procédés va permettre pour le clinicien d'émettre les mouvements psychiques sous-jacents et rappelons que le TAT se propose à l'enfant dans des conditions de passation encadrées. Vous voyez, dans le jeu de planches, l'école française retient ces planches
uniquement, avec des planches réservées aux garçons et filles, en tout cas ce qui concerne l'enfant et l'adolescent. Il y a trois planches qui sont proposées aux garçons seulement, trois planches aux filles, puis ensuite à nouveau des planches qui sont présentées aux deux sexes, et on termine toujours par une planche blanche qui va permettre au sujet de continuer les associations psychiques, l'expression d'affect, et peut-être même parfois de pouvoir exprimer ce qui n'a pas pu être dit au moment de la passation. À partir de 8 ans, une durée de passation un peu variable, mais aux alentours de 40 minutes. Et comme le disait Robert tout à l'heure, le TAT a permis aussi l'élaboration du CAT chez l'enfant et du SAT chez la personne âgée. Rappelons rapidement que le TAC chez l'enfant va permettre d'observer au niveau des conflits intrapsychiques les angoisses prégnantes de cette période de la vie, c'est-à-dire les angoisses de castration, d'abandon, de morcellement. Au niveau de la représentation de soi, l'investissement du sujet envers lui-même et ses identifications masculines et féminines, c'est-à-dire qu'on va avoir un regard porté sur un axe narcissique, puis sur un axe objectal, avec le rapport aux autres et surtout les figures significatives de l'entourage, le père, la mère, la fratrie, toujours en ce qui concerne l'enfant. La thématique centrale chez l'adolescent, c'est la fantasmatique œdipienne, à laquelle Catherine Chabert a apporté des précisions en disant que l'adolescent, c'était cette période d'élaboration de la position dépressive, et qu'il ne fallait pas, bien évidemment, négliger l'élaboration du renoncement aux objets œdipiens. Alors, cette feuille de dépouillement nouvelle, elle, vous verrez, elle intègre une nouvelle série qui est la série D, qui sont les procédés hors narration. En effet, ça manquait beaucoup dans la première feuille, c'est-à-dire que tout ce qui était sur le plan moteur, tout ce qui était mimique, émotion exprimée par l'enfant et l'adolescent, ne pouvait pas être pris en compte dans la cotation. Donc maintenant, il a été cette série, le D1 qui sont des manifestations motrices de type mimique, gestes, posture, les manifestations émotionnelles, les soupirs, les rougeurs, les rires, les larmes, et puis les adresses directes aux cliniciens, c'est-à-dire ce que l'on cotait avant dans l'ancienne feuille de dépouillement, apparaît dans les questions posées aux psychologues ou les demandes de réassurance, apparaît dans cette série D. Vous verrez surlignés en jaune les endroits de cette feuille de dépouillement où les changements apparaissent. Alors, ce sont parfois, on va le voir en détail, des changements juste de classe et de sous-classe de procédé, et il va y avoir quelques ajouts de la part de Chabert et son équipe. Rapidement, dans la série B, labile, vous voyez que le B2-3, la représentation d'action, elle s'intervertit avec la représentation ou affect contrasté. C'est juste une question de, cette fois-ci, de codage, comme j'appelle. Donc, dans la série C, c'est-à-dire l'évitement du conflit, on voit que nécessité de poser la question, qui était le premier procédé de cette série d'inhibition, elle devient au niveau 3 de l'inhibition, donc côté CI3. Ensuite, on aura disparition du CI3 de l'ancienne feuille, c'est-à-dire élément anxiogène suivi ou précédé d'arrêt dans le discours n'apparaît plus maintenant dans la cotation. On ne peut plus coter ces éléments anxiogènes qui étaient suivis de silence dans le discours. Dans les procédés d'appui sur la réalité externe, le CF2, attachement des détails concrets aux détails perceptifs, est un nouveau procédé mis en place dans cette feuille. Avant, on avait les affects de circonstances qui apparaissent en CF3, c'est-à-dire qu'il y a un procédé supplémentaire dans cette série de procédés. Dans la classe des procédés des fragilités des limites, on voit que en CL2, on a insistance sur les limites et les contours qui étaient dans l'ancienne feuille mis dans les procédés narcissiques. Là, elles apparaissent dans, en effet, la porosité des limites,
et ce CL2 était auparavant l'appui sur le percept. On a également un changement de série, de classe, où le CL3, qui est action portée sur la fonction d'étayage, était auparavant classé dans la série des procédés antidépressifs, hein, maniaques, hypomaniaques. Et on a également dans cette classe des procédés porosité des limites, on a hétérogénéité des modes de fonctionnement interne, externe, perceptif, symbolique, qui apparaît dans le CL4 où auparavant on cotait le clivage. Le clivage dans la nouvelle feuille de dépouillement n'apparaît plus, c'est un procédé qui n'est plus coté. Dans les procédés narcissiques, on voit quelques changements au niveau de la priorité des procédés, le CN2 accent porté sur la sensorialité et sensibilité au contraste. Dans le CN3, on a les détails narcissiques, l'idéalisation de la représentation de soi qui était en fait coté dans le procédé précédent du CN2. On a maintenant le CN4 qui devient les relations spéculaires. Le CN4 auparavant était plutôt axé sur les limites. Et enfin, le CN5, c'est la mise en tableau, l'affect titre, qui était aussi un procédé narcissique dans l'ancienne feuille de dépouillement. Donc, en fait, il y a juste, vous voyez, au bout du compte, des procédés qui s'articulent de façon différente, mais qui restent là, par contre, dans la même sous-classe. Dans les procédés maniaques antidépressifs, on a le CM1, alors là, qui est un nouveau procédé, exaltation, emballement des affects et des représentations. Hein. On a le CM3, alors c'est important également, c'était un procédé qui était plutôt dans la série des procédés en émergence primaire et qui apparaît maintenant dans les procédés antidépressifs, les fabulations. Et dans la nouvelle feuille de dépouillement, on voit apparaître deux nouveaux procédés, CM4, pirouette, clin d'œil, ironie, humour, qui était également, mais qui était dans le CM3, et on a également un procédé primaire qui apparaît dans ces procédés antidépressifs, qui est l'association par contiguïté, consonance et coq à l'âne, qui est donc apparaît en CM5. Dans la série des processus primaires, on a E3-4, la perception d'objets détériorés ou personnages malades, auparavant côté E1-4, bon, qui apparaît maintenant plutôt vers la fin de cette classe. Et puis, on a un nouveau procédé, E4-4, qui est le symbolisme hermétique et qui était auparavant association par contiguïté. Voilà, donc, je vous représente rapidement la feuille de dépouillement. Vous voyez, beaucoup de changements au niveau de la série des procédés évitement du conflit, des apparitions, il y a 4 apparitions de nouveaux procédés, et puis il y a des passages, certains procédés d'émergence primaire sur les procédés antidépressifs. Voilà, je passe la parole à Caroline. Alors, je vais reprendre le partage d'écran tout de suite. Alors, hop, et je vais partager la diapositive, la mettre en grand écran et revenir un instant en arrière. Voilà, donc je vais prendre la suite de Sabine, maintenant que vous êtes tout à fait familier avec cette nouvelle feuille de dépouillement, et, ou presque. Et puis, je vais essayer de vous donner de manière assez concrète, en prenant 3 exemples de symptomatologie qu'on peut rencontrer assez fréquemment chez les enfants ou les adolescents, essayer de vous transmettre comment est-ce que ces symptomatologies peuvent se manifester à travers l'analyse d'un TAT. Quel procédé est-ce qu'on peut voir de manière récurrente dans telle ou telle symptomatologie, en sachant bien sûr que ce n'est pas avec un ou deux indices du TAT qu'on va pouvoir formuler une hypothèse avec une certitude importante sur le fonctionnement psychique d'un enfant, mais c'est vraiment le croisement de différents indices dans le cadre d'un examen psychologique complet, croisé avec les données d'anamnèse dont vous disposez, qui va vous permettre d'avoir une compréhension de plus en plus fine et précise sur le fonctionnement de l'enfant ou de l'adolescent qui est en face de vous. Mais voilà, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques repères dans la manière d'appréhender le TAT
en fonction de différentes symptomatologies assez fréquentes que vous pouvez rencontrer dans le cadre de consultations et plus particulièrement dans le cadre d'un bilan psychologique. Donc, on va commencer avec des enfants qui peuvent présenter des troubles du comportement. Alors, il ne s'agit pas de redéfinir les troubles du comportement maintenant, mais simplement de repréciser un petit peu le cadre de cette symptomatologie particulière pour qu'on ait tous le même référentiel. Donc, c'est un ensemble de conduites auxquelles sont très souvent associées des manifestations d'agressivité, de violence et également de l'impulsivité avec des difficultés d'adaptation qui en découlent. On relève également des attitudes de défiance envers les pères, envers l'adulte, quelquefois envers les deux. Et ces attitudes, on va les relever aussi bien dans des environnements variés, quelquefois uniquement à l'école, quelquefois à la maison. Et puis, de temps en temps, dans les deux environnements, ça dépend vraiment des enfants ou des adolescents auxquels on est confronté. Évidemment, les définitions varie beaucoup en fonction des assises théoriques auxquelles on se réfère, là où le DSM maintenant va distinguer les troubles des conduites, les troubles oppositionnels avec provocation, l'éducation nationale parlera d'élèves à comportement hautement perturbateur ou d'élèves à difficulté d'expression comportementale. Alors, pour ce qui va suivre, je vais, tout comme Sabine, m'appuyer essentiellement sur les travaux fondamentaux réalisés par Catherine Chabert et Catherine Azoulay, ainsi que tous les autres auteurs avec lesquels elles ont pu collaborer et dont vous retrouverez une bibliographie plus détaillée à la fin de ce diapositive. Alors, ce qu'on peut observer dans un premier temps chez ces enfants-là, c'est que les comportements troublés vont traduire très souvent l'expression d'un débordement pulsionnel, voire même d'une désorganisation un peu plus importante qui ne peut pas être pris en charge par le recours au langage oral, ou très peu, et qui va donc solliciter beaucoup plus la sphère motrice et, dans certains cas, amener à un passage à l'acte qui sera très souvent un motif de consultation. Et dans le cadre du TAT, ce qu'on va pouvoir observer en écho à ces éléments, c'est d'abord très souvent un déficit dans l'expression verbale avec des récits assez restreints, assez inhibés, et là on sera assez sensible à tous les procédés qui font partie des CI, donc inhibition. Et puis d'un autre côté, on va avoir une sollicitation, un engagement de la sphère motrice assez important avec des enfants qui vont manipuler les planches, qui vont les retourner. Vous allez aussi avoir des enfants qui vont s'agiter, voire même se lever de leur siège, aller s'extraire un petit peu de la passation pour s'investir beaucoup plus sur le plan moteur parce que le coût de s'investir dans la sphère orale est extrêmement élevé. Et ça, toutes ces manifestations motrices, comme Sabine vous l'a dit, on pourra maintenant les prendre en compte avec la série D, manifestation hors narration, qui apparaît dans la nouvelle feuille de dépouillement. Et ce qui sera très intéressant au niveau clinique, c'est d'être attentif au moment où ces manifestations motrices sont présentes. Est-ce que c'est quand l'enfant est face à une problématique particulière, à une planche particulière? Est-ce que c'est quand il est face à des représentations masculines? Enfin voilà, au niveau clinique et au niveau de l'analyse qualitative, ça sera des éléments extrêmement intéressants à prendre en compte. Ensuite, toujours en écho à la problématique des enfants qui peuvent éprouver des troubles du comportement, on va être sensible au fait que ce sont des enfants qui ont très difficilement accès à leur monde interne. Tout ce qui relève de l'imaginaire est très difficile d'accès et de manière plus générale, il y a assez peu de circulation entre le monde réel, le monde imaginaire et si on se réfère par exemple à Winnicott, on dirait que c'est des enfants qui investissent assez difficilement un espace transitionnel qui permettrait d'éviter ou au moins de différer ces passages à l'acte. Alors, au TAT, ça va se traduire par ce qu'on va appeler des accrochages au percept. Et là, ce sera plutôt les procédés CF, et notamment CF2, accrochage à des détails concrets, perceptifs, sans que cela ne permette d'élaborer un récit dynamique. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont faire des descriptions
voilà, de la planche, de ce qu'ils voient, mais sans que cela ne permette d'élaborer un récit, d'adhérer à une conflictualisation. Voilà, ça va rester extrêmement descriptif, très plaqué, mais finalement assez peu dynamique. Alors, ce qu'on va aussi pouvoir observer au TAT, c'est la question de la relation à l'autre, qui bien sûr est également centrale dans le trouble du comportement, où souvent cette relation est malmenée. Et le TAT va être un outil extrêmement intéressant et pertinent dans la mesure où il propose de très nombreuses situations qui viennent mettre en jeu justement des relations et les représentations qu'on a de ces relations. Donc, dans ces cas-là, on va parler vraiment de l'axe objectal dont nous parlait Sabine, qui est vraiment l'analyse de la nature de la relation, comme on peut l'observer au TAT. Alors, dans le cas d'enfants qui présentent des troubles du comportement, même si on peut observer des éléments extrêmement, je vais dire, variés, on peut relever assez fréquemment le fait qu'il y ait peu d'introduction de personnages non figurants sur l'image. Les enfants vont souvent faire leur histoire avec les personnages présents sur les planches, mais lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté particulière, ils vont assez rarement convoquer un personnage qui n'apparaît pas sur l'image, parce que dans cette symptomatologie particulière, la relation à l'autre est rarement un appui qui permet de gérer une angoisse débordante. Ça va être plus souvent un passage à l'acte qu'un recours à un étayage, voilà, dans un premier temps. Ce qu'on va également pouvoir observer, ce sont des isolations de personnages. Donc là, ça sera plutôt du A3-4 pour essayer de diminuer le danger que comporte la mise en relation entre les personnages. On commence à le percevoir pour ces enfants qui présentent des troubles du comportement. La relation à l'autre peut comporter une part de difficulté, une part qui est extrêmement compliquée à gérer. Et dans ces cas-là, l'isolation permet de diminuer l'angoisse qui est quelque part inhérente à la relation. Donc, c'est un procédé auquel il faudrait être particulièrement sensible quand on a un enfant qui présente cette symptomatologie, ou un adolescent d'ailleurs, cette symptomatologie particulière. Ensuite, le dernier point auquel on peut faire attention, c'est le fait que les personnages soient souvent convoqués dans un environnement assez figé, assez plaqué, où les personnages sont vraiment dans une description de leur quotidien, de ce qui est dû faire. Donc là, ce sera plutôt le procédé CF. Ils éprouvent des affects de circonstance, c'est-à-dire des affects assez peu intériorisés finalement, des affects qu'il convient d'éprouver en telles circonstances, mais peu intériorisés. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la mise en tableau, qui est du CN5, où vraiment, il y a une expression du fait que la scène se situe de manière figée, comme un tableau, comme une gravure. Et si je devais vous donner comme ça un exemple, à la planche 2 que Sabine vous a montré tout à l'heure, je vais essayer de vous la remontrer, ça sera plus parlant. Hop, voilà. À la planche 2, ce serait un enfant qui vous dirait, bah là, on voit une femme qui est appuyée sur un arbre, il y a un homme qui travaille au champ et devant une jeune fille qui porte des livres. Voilà, les personnages sont décrits, ils ne sont pas mis en lien les uns contre les autres, et ils sont raccrochés à une réalité extrêmement factuelle et descriptive, sans qu'il y ait un récit ou une histoire qui se soit véritablement élaborée. Alors, je reviens. Voilà. Au centre aussi de la relation, ce qui va nous préoccuper particulièrement dans cette problématique, c'est l'accès extrêmement difficile à l'ambivalence, parce que l'ambivalence suscite la capacité de reconnaître en l'autre la possibilité d'avoir des désirs qui soient différents des siens propres, sans que ça ne soit trop menaçant, ce qui est extrêmement difficile dans cette problématique-là. Et donc, ça va réactiver une angoisse de perte extrêmement forte qui va, entacher la relation à l'autre, qui va conduire à un évitement relationnel. Et c'est tout ce qu'on observe dans les procédés dont je viens de vous parler. Peu d'introduction de personnages,
personnage isolé ou personnage figé. De manière un petit peu plus concrète, je vais vous parler d'une enfant que j'ai décidé d'appeler Mathilde pour ce soir, qui a 8 ans et que j'ai reçue dans le cadre d'un examen psychologique lorsque je travaillais en milieu scolaire. Donc Mathilde, lorsque je la reçois, elle a 8 ans et 5 mois. Elle est scolarisée en CE2. L'équipe éducative rapporte très régulièrement des propos injurieux, violents à l'égard des adultes, à l'égard de ses camarades, c'est quotidien, des passages à l'acte agressifs, elle peut taper, elle peut pousser, là aussi de manière quotidienne et depuis le début de sa scolarité, depuis qu'elle est en maternelle, voilà, il y a vraiment eu très peu d'évolution par rapport à ces comportements-là. On relève aussi des comportements sexuels problématiques assez récurrents avec des propos ou des agissements sexualisés qui paraissent tout à fait inadaptés compte tenu de son âge qui est de 8 ans et 5 mois. Il y a de nombreux signalements qui ont été faits par l'école, par les assistants sociaux qui travaillent à ses côtés. Ces signalements ont débuté à la mise en place d'une AEMO, donc une action éducative en milieu ouvert, pour un an, entre ses 7 ans et 8 ans. Et il y a des inquiétudes concernant des agressions sexuelles dans un cadre familial. Donc moi, je la reçois à l'issue de l'AEME pour faire un petit peu de l'AEMO, pour faire le point sur son évolution après cette mesure, parce que les problèmes persistent. Donc quand je reçois cette petite fille, c'est une petite fille qui négocie beaucoup, avec laquelle la question des limites se pose tout de suite. Elle se met à côté de moi alors qu'elle y est pas forcément, que je n'y ai pas forcément habité auparavant. Elle a un t-shirt qu'elle me demande de toucher parce qu'il y a des paillettes, etc. Enfin, voilà, très vite, le rapport au corps, le rapport à l'autre et la question des limites se posent très très rapidement. Alors concrètement, ce que j'ai pu observer au TAT, c'est des récits extrêmement courts et il a vraiment fallu que je sois assez présente pour lui permettre quand même de pouvoir construire ses récits. Il y a beaucoup de conduites d'évitement pendant la passation. Elle est extrêmement sensible à chaque élément qui vient perturber la passation. Chaque bruit, chaque nouvel objet qu'elle n'avait pas encore vu, ça vient l'extraire de l'exercice auquel elle se prête. Je décèle une hypervigilance extrêmement intense. Je relève aussi des tendances refus pour les planches. Alors, je vais vous les remettre. Si j'arrive rapidement, voilà. Pour les planches 2, 11, 19 et 16. Alors, les 11, 19 et 16, ça fait écho au fait que, voilà, je vous ai dit que très souvent, c'était des enfants qui avaient besoin de s'appuyer sur le percept pour arriver quand même à essayer de construire un récit, une histoire. Et ces planches-là, 11, 19 et 16, sont particulièrement floues et ambiguës en termes de percept, voire même inexistants pour la 16. Et donc, c'est extrêmement coûteux pour Mathilde de se prêter à cet exercice-là sans pouvoir s'appuyer de manière tout à fait certaine sur des percepts. Ensuite, j'enlève également beaucoup de références auto-centrées. Elle commence son histoire et puis très vite, elle me parle d'elle sur un repli narcissique très fort en omettant complètement la consigne initiale qui est de raconter une histoire à partir des planches présentées. Au niveau relationnel, je ne note aucune introduction de personnages non figurant sur l'image et les personnages dont elle parle sont investis exclusivement sur une modalité, une polarisation extrêmement forte entre idéalisation et désidéalisation d'un côté. Il y a très très peu d'ambivalence. Elle peut me parler d'une pauvre vieille à une planche, d'un petit garçon qui est génial à une autre et ça fait tout à fait écho au fait que, par exemple, quand je vais la raccompagner dans la cour de récréation, elle me dit, elle me parle de ses camarades en les pointant en me disant « Elle, je ne l'aime pas. Elle, je la déteste. Elle, c'est ma meilleure copine. Elle, je la déteste. » Enfin, voilà. Toutes ces relations sont extrêmement polarisées, ce que je retrouve au TAT et qui vraiment met en perspective sa difficulté à accéder à la notion d'ambivalence qui est assez nécessaire pour avoir des relations, je vais dire, apaisées et supporter une conflictualisation nécessaire.
Ensuite, je relève également une agressivité qui peut être extrêmement débordante pour elle et qui va être prise en charge par des processus primaires parce qu'elle n'a pas de ressources suffisantes pour que ce soit élaboré et secondarisé. Et donc, on va avoir des projections extrêmement massives. À la planche 3, elle me dit « c'est une fille qui vient de se suicider ». Elle a 8 ans et demi, je le rappelle. Et à la planche 4, elle me dit « ça fait vieux ton truc, il part pour buter tout le monde bon. ». Donc voilà, c'était un petit peu pour vous donner une représentation, un aperçu de ce que pouvait être la passation clinique du TAT et de ce que j'ai pu relever, même si c'est bien plus large que ça. Mais voilà, vous avez un écho par rapport à la présentation que je viens de vous faire sur le trouble du comportement. Maintenant, je voudrais parler des troubles dépressifs chez l'enfant et de la manifestation de l'angoisse de perte au TAT. Donc là aussi, la symptomatologie des troubles dépressifs chez l'enfant peut être extrêmement variée. On peut observer une irritabilité, des troubles de l'humeur, quelquefois de l'isolement, de la perte d'intérêt, notamment pour les jeux ou les apprentissages. Et c'est souvent là qu'on est sollicité, quand il y a un fort retrait au niveau des apprentissages. Une estime de soi amoindrie aussi. Et cette symptomatologie, c'est assez caractéristique chez les enfants. Elle a deux grandes modalités d'expression qui apparaissent extrêmement contrastées. D'un côté, vous avez des enfants qui vont être extrêmement agités et on va pouvoir passer finalement à côté de l'hypothèse d'un trouble dépressif parce qu'ils vont être en lutte contre cette émergence-là. Et dans ces cas-là, c'est la sphère motrice qui va très souvent prendre le relais et être très investie. Ou alors, vous allez avoir des enfants qui vont être beaucoup plus du côté de l'inhibition et on va avoir vraiment un gel de l'activité fantasmatique, cognitive, pulsionnelle qui va être vraiment très amoindrie. Quoi qu'il en soit, ils auront en commun d'être confrontés à une problématique de perte au sens très large. Alors, au TAT, ce qu'on va pouvoir observer, c'est une production verbale extrêmement restreinte, mais qui ne va pas être la même que celle qu'on a pu observer dans les troubles du comportement, par exemple. Là, les récits extrêmement restreints vont être liés au fait de la difficulté à mettre en mouvement le processus de pensée nécessaire à l'élaboration d'un récit. D'accord ? Il va y avoir là aussi de nombreux procédés d'inhibition, donc les CI, mais on l'aura compris, cette inhibition n'a pas la même valeur, elle n'a pas une valeur d'évitement, comme dans les troubles du comportement, elle a vraiment une valeur de difficulté, enfin qui traduit la difficulté à mettre en route le processus nécessaire pour élaborer. Très souvent, dans les histoires, il y a peu de dégagement, voire pas de dégagement possible, et puis le clinicien va être souvent dans la situation de poser des questions pour essayer de soutenir, d'étayer les processus de pensée mis en jeu. Et là, ce qui va être important de repérer au niveau clinique, c'est est-ce que l'enfant, est-ce que l'adolescent que vous avez en face de vous va pouvoir se saisir de l'étayage que vous proposez. Et ça, ça va être quand même un indice aussi sur la manière dont il va pouvoir se saisir ou pas de la mise en place d'une éventuelle thérapie, par exemple. Est-ce que l'étayage proposé sur un mode relationnel va être un véritable appui ou pas ? Ensuite, ce qu'on va pouvoir prendre en compte, c'est l'investissement des relations qui peut être en tous les cas lui aussi difficile, avec un recours à l'isolation entre les personnages, ou même des personnages qui sont scotomisés parce que la réalité est traitée que partiellement. Et enfin, on va relever bien sûr des difficultés dans l'élaboration de la problématique de perte. Il y a certaines planches qui vont confronter l'enfant ou l'adolescent que vous avez particulièrement à la problématique de perte. Et quand la gestion de la perte est bien élaborée, très souvent, on a l'évocation d'un affect de tristesse, on a la représentation qui va avec cet affect et on a le lien entre la représentation et l'affect de tristesse. Or, chez des enfants qui vont présenter une symptomatologie dépressive et par essence une difficulté à gérer cette question de la perte, eh bien, ce lien entre affect et représentation ne va pas être fait, ou alors l'affect ne va pas être convoqué, ou la représentation associée ne va pas être convoquée non plus. Enfin, je voudrais terminer ma présentation pour vous parler brièvement
d'un autre cas qu'on peut rencontrer régulièrement dans l'enfance ou à l'adolescence, mais moi je choisis de vous parler de son versant à l'adolescence, qui est celui de la symptomatologie obsessionnelle, qui distingue d'un côté les obsessions, qui recouvrent voilà, vraiment des pensées, des images, des idées extrêmement intrusives et à l'origine d'angoisses extrêmement intenses chez les patients qu'on rencontre, et puis des compulsions qui recouvrent vraiment des rituels ou des comportements répétés qui sont perçus comme indispensables pour lutter contre ces pensées et l'anxiété qui les accompagne. Donc, on peut également parler de troubles obsessionnels compulsifs si on se réfère au DSM, par exemple. Alors, ce qu'on va pouvoir observer dans ces protocoles-là, c'est que la conflictualisation, alors au TAT, la conflictualisation, elle peut se jouer sur un mode intrapsychique, donc interne, ou donc intrapersonnel ou interpersonnel. C'est-à-dire le conflit peut être porté au niveau interne ou alors entre deux personnages. Ici, dans ces profils-là, ce sera beaucoup plus souvent au niveau interne. Et là, on va être sensible à l'utilisation des procédés A2-4, accent porté sur le conflit intrapersonnel. On va être également sensible à tous les recours aux procédés rigides, donc l'ensemble de la série A, bien sûr, et particulièrement les procédés A3, dits procédés obsessionnels, qui recouvrent le doute, les précautions verbales, les hésitations entre interprétations différentes, les remâchages ou l'annulation, par exemple. Alors, dans ces procédés-là, ils vont traduire, bien sûr, la conscience de l'enfant qu'à l'enfant ou l'adolescent d'interpréter quand on dit « je pense que la dame doit être en train de faire », c'est-à-dire qu'on a conscience d'interpréter, ce qui est quand même assez rassurant, mais ça vient aussi traduire un besoin de contrôle et une difficulté à opérer un choix interprétatif. C'est quand il y a des enfants qui vous disent bah, « ça peut être ça ou ça » et quelquefois faire un choix et donc renoncer aussi à une partie des possibles, c'est extrêmement difficile et ça va être très très visible au TAT. Et ça peut, dans certaines symptomatologies, vraiment emboliser le fonctionnement psychique qui va être pris entre différents choix que l'enfant ou l'adolescent ne va pas pouvoir faire et qui va générer une angoisse extrêmement importante. Enfin, ce qu'on va pouvoir voir, c'est un appui important sur la réalité externe avec un attachement au détail, mais cette fois-ci, il va pouvoir permettre l'élaboration d'un récit. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des détails, perceptifs de la planche, on va y associer des précisions, des références culturelles, intellectuelles, mais pour permettre l'élaboration d'un récit, ce qui est tout à fait différent de ce dont je vous parlais pour les troubles du comportement. Et enfin, on va être attentif au traitement des représentations, des affects, des conflits qui vont être mis à distance avec un recours fictif, une intellectualisation, une dénégation, qui sont des procédés qui vont permettre d'accéder au conflit, mais avec une certaine mise à distance qui va apaiser un petit peu les angoisses sous-jacentes. Et je pense que j'ai fini juste dans les temps. Merci beaucoup. Voilà, merci Sabine, merci Caroline. C'était vraiment une présentation extrêmement intéressante, pointue. Hein. On le voit d'ailleurs dans les questions qui ont du mal à remonter, dans le sens où vous nous avez beaucoup nourris. On va quand même donner tout de suite la parole à Vincent, Georges et Théo qui sont en back-office pour faire remonter. Et puis, j'aurai moi quelques demandes de précision peut-être à faire pour compléter votre présentation. Alors, encore une fois, merci. Je vais avoir. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées sur l'outil, sur le bilan psychologique et projectif et ces points-là. Georges nous pose la question, quelles sont les planches spécifiques de l'épisode dépressif ? Alors, je peux répondre ? Super. Alors, je vais essayer de
Vincent, si c'est toi, ou Robert, si c'est toi qui as la main sur le PowerPoint, peux-tu remettre sur les planches? Peux-tu remettre la diapositive sur les planches? Super. Comme ça, voilà. Alors, en fait, il n'y a pas de planche, je vais dire. Alors, il y a des planches qui sont plus sensibles aux problématiques dépressives. Ça va être le cas de la 3BM, par exemple, qui, dans sa figuration même, la sollicitation, l'attente, va vraiment appeler la problématique de la gestion de la perte. Mais on va être sensible, je vais dire, à toutes les planches. Parce que même une planche qui n'appelle pas forcément un traitement de la question de la perte, un enfant ou un adolescent qui va être envahi par cette problématique-là va quand même la traiter sur cette question, sur cette modalité dépressive. Donc, on va être bien sûr sensible aux planches qui appellent particulièrement cette problématique, comme c'est le cas pour la 3BM, mais on va être attentif à l'ensemble des planches parce que chacune des planches peut être traitée sur une problématique de perte alors même qu'elle n'appelle pas ça. Et si c'est le cas, ça veut dire que vraiment la problématique est extrêmement envahissante. Merci. Est-ce que la nouvelle grille que vous avez présentée est aussi valable pour le CAT? Elle n'a pas été encore mise pour le CAT. La feuille de déboulement de CAT n'a pas été revue pour l'instant par les équipes. Ok. Et une autre question qui a été posée, c'est à partir de quel âge est-ce qu'on peut proposer le TAT? Et qu'est-ce que vous pensez, vous, du CAT en tant qu'outil? Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, en effet, le TAT peut être proposé à partir de l'âge de 8 ans, hein, à peu près. Et donc, le CAT, on va dire 4-5 ans jusqu'à… Maintenant, bien sûr, ça relève également de l'évaluation qu'on a pu faire de l'enfant, c'est-à-dire en termes de langage. Hein, il faut déjà avoir le langage. La capacité de l'enfant à mettre parfois en lien aussi hein, des affects ou des actions. Hein. Et puis, comment dirais-je… ça dépend également, je crois, de ce qu'on peut comprendre de l'enfant, de sa mise à distance par rapport à certaines charges émotionnelles. Certains enfants vont avoir besoin d'une médiation comme l'animal. Hein, donc, le CAT va leur permettre justement de se projeter sur quelque chose qui va être un petit peu plus loin d'eux. Ou au contraire, le CAT va permettre d'exprimer une violence possible puisqu'il va s'agir d'animaux et les animaux, ça peut être méchant. Voilà, autrement, CAT et TAT vont mesurer les mêmes choses, c'est-à-dire l'axe narcissique et l'axe objectif. Des questions reviennent souvent quand on fait des formations, et pas seulement sur les projectifs, mais sur l'évaluation psychologique. Est-ce que le temps nécessaire au TAT est concevable aujourd'hui dans la pratique d'évaluation, dans les actes professionnels des psychologues par rapport à ce que vous évoquez? On comprend bien qu'il y a le temps de passation, ce qu'il va révéler. On écrit le verbatim de l'enfant, on prend les notes, on prend son comportement, etc. Mais ensuite, quel temps vous consacrez-vous, Caroline et Sabine, qui êtes déjà expertes à l'analyse des procédés, à leur cotation, et j'allais presque dire par rapport à la présentation de Caroline, pourquoi la cotation à partir du moment où, si on repère bien les procédés, on n'a pas forcément besoin de les codifier? Vas-y, Caroline commence et puis je compléterai si tu veux. Ouais. Alors, je dirais effectivement, comme tu le soulignes, Robert, c'est-à-dire que plus on maîtrise les procédés, leur sens, l'analyse, plus la lecture du protocole va être rapide et l'analyse, voilà. Mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est difficile de faire l'économie quand même de la cotation, parce que la cotation est déjà de l'interprétation et c'est assez long. Donc là, c'est vraiment un choix par rapport, je pense que la pertinence du TAT, elle réside avant tout dans la question qui est posée et à l'origine du bilan psychologique. C'est vraiment un outil intéressant, c'est un outil qui est coûteux en termes de temps, ça c'est certain, mais qui est extrêmement riche aussi, on l'a vu, et dont la pertinence me semble à ajuster en fonction vraiment de la problématique pour laquelle on est sollicité à l'origine du bilan.
Alors, je compléterai en disant que la cotation, même si en effet, peut-être qu'on va coter moins dans le détail, la cotation, ça reste encore, sans jeu de mots, un garde-fou, parce qu'en effet, on peut encore, même avec de l'expérience, voilà, laisser échapper certaines choses. Et la cotation, elle a cette fonction aussi de pouvoir poser un diagnostic, en fait, en tout cas, quelque chose de l'ordre du différentiel du diagnostic. Et voilà, sans passer complètement, voilà, c'est pas toujours forcément, je trouve, ça ne nous met pas forcément à l'aise, en fait. Après, pour répondre précisément à la question, moins de 2 heures, je ne fais pas pour pouvoir coter, analyser. Il y a la rédaction du compte-rendu aussi. Mais ça fait partie des 2 heures. Non, ça ne sera pas dans les 2 heures, la rédaction. C'est en dehors. Donc, il y a 2 heures de travail sur le verbatim de l'enfant, sur l'expression et la conduite de récit qu'il nous aura confié. C'est donc 2 heures de travail. C'est important parce que quand on voit les collègues, et à quel point aujourd'hui on est souvent soumis à une pression dans l'analyse et le diagnostic différentiel et un calendrier qui est parfois un peu accéléré ou pressant. On a tendance, je l'observe, mais ça n'est pas du tout scientifique, à voir qu'on les utilise de moins en moins, ou quand on les utilise, quand on les propose à l'enfant, on passe nettement moins de temps à cette rigueur de la cotation que vous nous avez présentée. Bien. Sur la question du bilan psychologique et projectif, il y a Gilles qui demande sur quel indice ou quels indices cliniques le praticien décide de recourir au TAT. C'est très important, en effet, pour pouvoir avoir de l'information sur le fonctionnement psychique d'un enfant, d'un adolescent. C'est ce choix d'outils, en effet. Mieux on choisira cet outil, mieux ce qu'on récoltera sera pertinent et pourra être utilisé. Le TAT, c'est le rapport à la réalité, c'est-à-dire comment cet enfant va vivre, réagir et subir ou s'approprier le quotidien, en fait, hein, le quotidien avec ce que ça implique d'émotions, d'affects et parfois d'associations sur des fantasmes, des vécus, des traumatismes. Et donc, en effet, savoir de mieux comprendre comment le quotidien est vécu, comment l'enfant aborde la relation avec l'autre et lui dans sa relation, on va choisir un TAT. Je repropose la liste bibliographique qu'une personne demandait dans la discussion. Georges qui nous pose la question, que pensez-vous de l'utilisation dans le cadre d'un examen psychologique dans un bilan projectif, de l'utilisation de quelques planches, par exemple 3 à 5 planches, et si oui, lesquelles on favorise? Alors, si je peux répondre, en principe, il est vraiment important de respecter l'ordre des planches et le nombre de planches qui est proposé, parce que si vous regardez, elles sont extrêmement progressives et elles permettent quand même de, je vais dire, lever des inhibitions, parce que, par exemple, la première planche, elle va souvent être un petit peu plus inhibée dans la mesure où c'est une planche de prise de contact. L'enfant ou l'adolescent que vous avez en face de vous va découvrir le test. Et plus on avance dans les planches proposées, plus les représentations deviennent floues, éventuellement ambiguës. La sollicitation des mouvements est de plus en plus archaïque. Et pour accéder à ce niveau-là de mode de fonctionnement, il y a quand même besoin de temps, de toutes ces planches, de tout ce lien qui se crée. Donc, en faire l'économie biaise quand même la construction des discours et le matériel qu'on peut récolter. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un gain de temps en définitive, parce que je pense que les récits seront beaucoup moins riches que ceux qu'on peut observer au bout du certain nombre de planches qui est proposé. Sabine, tu confirmes, Sabine? Oui, tout à fait. Il y a une question qui était passée au tout début, je crois, c'était la question du compte-rendu. Alors, en rendre compte comment, on a bien perçu dans votre
sensibilité clinique que ça participait de l'approche diagnostique différentielle pour bien comprendre le fonctionnement psychique de l'enfant, quelles que soient aussi les altérations éventuellement de fonctions de type neuro-développemental, etc. Mais dans le fond, vous en faites quoi? C'est-à-dire que je vais me faire un peu l'avocat du diable, puisque je connais un petit peu vos réponses, mais on est aussi dans un grand groupe là. Dans le fond, vous en faites quoi de ce TAT, de ces conduites de récit analysées? À qui vous en rendez compte et qu'est-ce que vous en écrivez? Je peux commencer, Caroline, tu continues, un certain moment compléter. Alors déjà, à la personne intéressée, hein, à qui, c'est-à-dire l'enfant, l'adolescent et les parents, c'est ce contexte. Ensuite, il est possible que ce soit une équipe qui nous le demande, il est possible que ce soit notre propre pratique, donc c'est pour nous. Le TAT, il a une visée diagnostique et il a aussi il va nous permettre donc une thérapeutique, une proposition de soins. Ça, c'est important, on ne le dit pas assez. Dans le compte rendu, c'est je comprends que, j'émets l'hypothèse que et je propose. L'enfant qui vient avec ses parents nous voir, c'est parce qu'il y a de la souffrance et ils ont besoin d'une réponse, mais surtout, une fois qu'ils commencent à comprendre, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va guérir tout ça. Donc, je ne sais pas si je réponds directement à ta question, Robert, mais je crois qu'il faut avoir ces trois points-là. Après, le compte-rendu, il se fait de façon orale, hein, un petit peu comme tous les comptes-rendus, compréhensible par l'enfant et l'adolescent, donc compréhensible par les parents. Je pense qu'il est également à faire en présence de l'enfant. Et également, n'oublions pas que l'enfant, les parents viennent nous voir, les symptômes, ils les connaissent. Hein. Ils ne savent peut-être pas forcément les expliquer, ils ne savent pas mettre des mots dessus, mais ce qu'on va leur dire va souvent les rassurer parce que ça va être expliqué, ça va être développé et on va proposer quelque chose. Et c'est des choses qu'ils connaissent déjà. Ils connaissent déjà que leur enfant est angoissé, ils connaissent déjà les désordres. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? D'abord, une compréhension et surtout une proposition de soins. Caroline, tu veux ajouter quelque chose ? Non, je te rejoins tout à fait. Effectivement, moi, personnellement, dans ma pratique, l'écrit, vraiment le rendu écrit destiné aux parents ou, par exemple, dans un écrit pour la MDPH, il est extrêmement, je veux dire, en termes de volume, il est très, très petit par rapport au compte-rendu d'une épreuve cognitive, mais par contre la restitution que je vais en faire à l'oral va être beaucoup plus étendue et je vais m'assurer que l'enfant et les parents en aient la meilleure compréhension possible parce que on l'a compris, c'est un test qui est extrêmement technique, qui met en jeu des concepts très théoriques, mais l'important c'est vraiment de restituer ce qu'on a compris de l'enfant, de ses angoisses principales, de comment est-ce qu'on les retrouve à l'école, à la maison, et surtout aussi de quelles ressources dont il dispose, qu'on peut voir au TAT, et quelles problématiques nous semblent importantes à travailler en lien avec la demande initiale ou en lien avec ce qu'on a pu observer, si c'est possible de travailler. Exactement, je renforce à nouveau ça, Caroline. Tu as raison, c'est le TAT, comme d'autres épreuves, mais va mettre en évidence les ressources, c'est-à-dire il y a aussi ça qui va bien. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer pour avancer avec l'enfant. Ça, je crois que dans un compte-rendu, c'est très, très important. Très bien. Peut-être, Vincent, la dernière question, puisqu'on arrive au terme de notre rencontre. On ne t'entend pas là. J'ai coupé mon micro, tant pour moi. Une dernière question. Lorsque le clinicien constate un déficit de l'expression verbale, est-ce qu'un lien est fait avec l'éventualité d'un décalage dans le développement langagier, voire l'existence d'un trouble associé? Et est-ce qu'il est pertinent dans ce cas-là de recourir au TAT? Comme tu veux, c'est bon. Ok. Alors, dans un premier temps, c'est sûr que très souvent, enfin moi, je ne vais jamais même passer deux projectifs seuls, j'ai toujours des données cognitives et il est évident que mon analyse et mon exigence, entre guillemets,
de niveau verbal va être complètement différente en fonction d'un trouble ou non associé dans l'expression orale. Donc ça, c'est vraiment à ajuster en fonction des données du bilan cognitif qui est réalisé à côté et de l'âge développemental de l'enfant, bien sûr. Très bien. Sabine, un dernier mot peut-être, puisqu'on va se quitter pour ce soir. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le TAT, hein, il est tombé un petit peu en désuétude, mais vraiment le TAT, c'est une méthode qui apporte beaucoup d'informations, beaucoup, beaucoup d'informations. Absolument. Merci infiniment, c'était vraiment très riche, c'était très, très soutenu, c'était d'un haut niveau, c'est une invitation à rentrer dans la complexité. C'est vrai que c'est une approche complémentaire avec les épreuves projectives qui est toujours très intéressante dans un examen approfondi. On avait encore là une demande dans le chat, j'ai pu lire que combien ça coûte. Donc il y a bien une interrogation autour, hein. On n'a pas des actes codifiés en psychologie clinique, mais néanmoins on sait, et notamment pour le libéral, on se pose beaucoup de questions parce que c'est 3 à 4 heures de travail, une heure de passation et 2 heures pour reprendre un petit peu l'ensemble du dossier. C'est long et je crois que chacun doit pouvoir se débrouiller un petit peu avec ça. C'est peut-être différent en institution. En tout cas, merci à vous deux pour cette activité. Voilà, on va vous proposer de se retrouver mardi 22 novembre, c'est exactement dans 15 jours, sur le refus scolaire anxieux, comprendre et intervenir. Alors avec deux collègues qui ont publié chez Duno, comprendre et soigner le refus scolaire anxieux, c'est Marie Gallet Pessono et Laetitia Daéron. Eh bien écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci encore infiniment Caroline et Sabine. Vincent, Théo et Georges qui étaient dans l'arrière-salle. Et bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.